Ah ok, non, j'avais mal vu. J'avais mal regardé sur le bracket. Effectivement, loser final. Ah ouais, bah tu peux voir le reset. Une weekly rondement menée. Non mais c'est ce que je dis tout le temps. Ici tout le monde joue à Smash 4 mais personne n'a de setup. Ah bah tu dis à ça ma maman. Hein. Que des douilles. Et c'est la troisième bio de Kadash. Bon à un moment tu comprends le matchup hein. Je pense qu'à un moment bon. Ah mais c'est pas que le matchup il ne comprend pas, c'est qu'il aime pas. Ouais bon. Il aime vraiment pas bio. Et je peux comprendre, tu vois, il y a des persos avec lesquels c'est le temps. Moi j'ai. Ouais, y a vraiment aucun personnage que j'aime pas dans ce jeu. Bah moi il y a ZSS qui me gonfle un peu. Mais surtout parce que je la connais pas. Sonic que t'aimes pas aussi j'ai l'impression. Sonic ça m'exècre. Ça se dit ça, exècre? Oui. Ah bah j'ai appris un nouveau mot. Sonic ça m'exècre. Exècre ça veut dire un peu ça m'horripile. Non ça m'horripile c'est inverse. Non mais ça m'horripile c'est à dire j'aime pas ça, c'est à dire j'ai envie de vomir. Non. Si. C'est ça m'exècre. Non ça m'exècre, c'est. Ça m'horripile c'est. Horripile c'est de la rigolade. C'est l'inverse d'exécrer justement. Non. Si, bah ça lorsque ça m'horripile, c'est-à-dire que j'en ai marre, c'est horrible. On fera une vérification Google au pire, okay. Ça sert à rien de débattre. Pour l'instant, il y a un grab, ok. Bon, la Kadash, il a envie d'avoir son petit cash prize. Enfin, ça, il en a un, non? Top 3, ouais. Et mais il bon. A un bon avantage contre le. Il commence à avoir un bon avantage. Alors ouais. Après, c'est Bayo et c'est ZSS, donc l'avantage en pourcentage reste relatif. Ouais, comment relatif? Parce que bon, évidemment, on les connaît, hein, les upper de. Tout up B, 2 LSS et on connaît évidemment le up B, up B avec le jump tout ça de Bayonetta. Donc voilà. Bon, honnêtement tout est possible hein. Mais pour l'instant il n'y a pas eu de douille et dans le neutral c'est Kadash qui a gagné sa première stock. Ouais non clairement. Ah mais Kadash est un joueur ultra puissant quand même hein. On le dit pas assez puissant. Non mais il est fort Kadash, ouais, oui, tu connais. Mais c'est pas un Pokémon. Ah c'est pas Gluto j'avoue mais bon. Gluto qui joue même pas au même jeu. Il joue pas les mêmes persos. Il joue pas le même jeu plutôt. Ok, le premier Paralyzer il a essayé d'enchaîner sur le deuxième. Up tilt. Ouais. L'up tilt qui avait bien été trouvé. Tac, il a du mal à convertir. Peut-être qu'il faudrait qu'il switch sur Luigi. Il est peut-être un peu moins incisif. Bah, en fait, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il il a vraiment envie de pousser d'avoir l'avantage quoi. Ouais. Non, ouais. Ce qui peut se comprendre hein. Bon. Moi j'ai pas souvent ce problème. Dans le mauvais sens, instant punish. Voilà, instant punish. Y'a pas de débat. Si bien c'est que là bah. On a Neokan, dès qu'on commence à monter, il y a une petite erreur, t'es puni. Ouais. Et encore. C'est vraiment que là tu commences à dire ouf, tu vois. Mais là, alors je pense qu'il faut un peu plus de rage sur ZSS ou un peu plus de pourcent sur tag, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment pas loin des ladders. Des ladders pourcent. Ah mais de côté hein. Allez hop, c'est parti. Ouais tu ah, vois, non on y était pas. Là on y est je pense. Ouais, et puis il faut prendre en compte la DI. Mais là, des deux côtés, ils peuvent nous sortir des douilles. Des deux côtés. Oui et non, parce que la Bayonetta a pas encore de rage. Kadash, il a montré qu'il savait le SDI. Bah... Ah oui, c'est vrai, Kadash, c'est contre Mistera, c'est contre Mistera, il en a pas pris un, ou alors il en a très peu pris, si, tu si, vois. Il en a pris un. Il en a pris un, tu vois, mais... Il a pris un leader avec un... Mais il a pris tellement de B par rapport... Tu vois, regarde. Il en prend pas. Il SDI mais Tag, il joue Bayonetta, genre c'est son second, ou c'est quoi? Il a dit qu'il voulait pousser Bayo, en plus de Luigi, je pense que... Après, au demeurant, quand tu commences à le jouer, le perso bouge partout, c'est fun, hein. Et c'est après où tu finis sur du... Et après, tu finis à jouer comme Salem, parce que t'as envie de gagner. Non, mais Salem, je trouve ça limite... Je le trouve cool, quand même, Salem, regarde. Mais moi, je trouve fascinant à regarder, mais il faut reconnaître que son style de jeu... Oh, par contre... Side B into Nair, c'est ce qu'on disait, ce Nair, il est incroyable. Ouais. C'est un outil d'edgeguard, un outil de zoning, un outil de recover, un outil de kill... De recover Enfin, pas un outil de landing safe. Ah oui, bien sûr. Ouais, de quoi il nous parle le petit cinglé. Bon, est-ce que ça va switch ou pas? Est-ce que ça va switch lol? Nintendo Switch. Non. Il y a un peu blitz. Bon, il est bientôt tard. Hein. Ça partira sur. Il dit que j'aurais pu être une soirée. Bah plains-toi en plus. De quoi? Plains-toi en plus. Pourquoi on prend pas Dreamland? J'adore Dreamland. Là ça se tire avec ZSS hein. Allez Dreamland c'est moi tu vois. Avec ZSS ça se tire. C'est moi hein. Qui les décide. Non mais honnêtement je pense que le matchup il est quand même pour Bayo. Oui mais De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Et c'est qui a dit merci? Tag.
Bref. Mais alors, certes, l'avantage est globalement pour Bayo, mais après le Dreamland qui est bon stage un pour très bon, si ce n'est le meilleur stage de ZSS. Bah oui, bah c'est comme ça qu'il va falloir faire le B. Pour les extend combo. Ouais, c'est ça. Le upper B. Bon, pour le coup, celui-là est bien été DI par d'attaque. Ah, ça n'a pas confirmé sur le grab et du coup, c'est puni instantanément. Il l'a tenté un peu trop tard ce grab, donc du coup, ça a été puni. Par contre, celui-là passe. 1, 2, upper, pardon. Upper B. Et ça tue pas. Well played. Et ce Witch Time, il faut savoir que le Witch Time te rend intangible pendant quelques frames, hein, donc c'est aussi un... tu peux pas te faire grab pendant le Witch Time. Ouais, c'est ça. Issou. Bah ça dépend quel frame du... Issou. Oh. Ah, c'est incroyable, c'est dommage. 4, hein, c'est quand même un jeu... Il y a de la passion derrière. Oh, moi ZSS Bayonetta, j'ai aucun jugement. Mmh. Il a tenté le flip kick, c'est pas passé, ça a bien été redodge au bon moment par... par Hugo Tagliero. Non mais elle est très bonne la bête de tag, faut arrêter de déconner. C'est puni par un back air 11%, le forward tilt. C'est vrai que j'ai confondu What the Fox avec XP une fois. Ça arrive. Bah y'en a un qui a déconné. Non mais une fois j'ai confondu Cernite et Green Bash. Je plaisante. Solide. Le back air qui va pas tuer mais qui va... Ah, oh, Ace SD. Frigiel, quoi. Bon, j'espère que okay, la finale va être un peu plus bon. Bon, ça bouge pas mal hein, dans cette game. Ouf. Ouais. Bon, un grab c'est instantanément puni par contre. Hein. Donc l'attaque, il va falloir qu'il trouve soit des grabs très safe, pas comme ça. Il va falloir soit qu'il trouve des grabs très safe, soit réussir à trouver d'autres manières de faire ses combos ou juste de revenir dans le neutral. Parce que pour l'instant, il a. Ou alors une douille comme ça dans le neutral. Ouais, c'est ce que je dis. Mais juste il l'a trouvé par les grabs, c'est trop dangereux. Tu parles de Bayo? Non, de ZSS. Ah, okay. Par contre là. Ouais, bah là c'est terminé. Ah non. Oh. Le Bayo privilège. Bon, par contre celui-là, le EPR c'est fini. Ouais, bonne nuit. Le EPR c'est fini. Protéger les chaises.